La famille de Long semble être actuellement en train d'imploser de l'intérieur. Selon les informations dévoilées par BFM TV, Alain Delon a l'intention de porter plainte contre son fils aîné Anthony Delon. Le monstre sacré du cinéma français s'est dit extrêmement choqué suite aux propos de son premier enfant dans Paris Match. Pour rappel, Anthony Delon a annoncé son intention de déposer une main courante contre sa demi-sœur Anouchka Delon. Le comédien accuse cette dernière de lui avoir caché le véritable état de santé de leur père. Il affirme notamment qu'elle lui a dissimulé des tests médicaux révélateurs d'un net déclin cognitif d'Alain Delon. Suite à cela, l'acteur de 88 ans a demandé à son avocat de porter plainte contre Anthony Delon pour diffamation. Selon Alain Delon, le déballage médiatique orchestré par son fils Anthony n'a qu'un seul but, lui nuire. Mais aussi nuire à la réputation de sa fille Anouchka, afin d'atteindre la relation unique qu'il a toujours eue avec elle. De plus, le monstre sacré du cinéma français a révélé ne pas supporter l'agressivité de son fils Anthony qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que son fils prétend qu'il aurait vécu son dernier Noël, a ajouté l'avocat d'Alain Delon, me haïla. Cercle rouge, Alain Delon compte déposer plainte pour diffamation contre son fils Anthony. Twitter.com/kjsmgojv, BFM TV @BFM TV, January 4, 2024. Le représentant légal de l'acteur a aussi déclaré, depuis toutes ces années qui ont passé, son fils Anthony ne s'est jamais, contrairement à Anouchka, véritablement préoccupé de lui. Encore aujourd'hui il le voit très peu, a également affirmé l'avocat Alain Delon. Mais quel père pourrait supporter ça? Il a encore une fois profité de son nom pour se faire de la publicité en publiant un livre à charge contre lui. Il a même ajouté, qu'il me foute la paix. Et qu'il foute la paix à ma fille, a finalement conclu.